fais. Et là, ce sont mes objectifs. Toute formation ou tout formateur, lorsqu'il vient avec un programme, il a des objectifs. Ça veut dire, vous avez vos attentes, ce que vous attendez de moi. Ça, c'est ce que moi-même, j'attends de moi, vous concernant. Ça veut dire qu'à la fin de cette séance, chacune d'entre nous devra être capable, en premier lieu, d'apprendre à fabriquer ses propres produits capillaires pour la consommation et la vente. Littéralement l'intitulé de la formation. Ça veut dire qu'au sortir de cette formation, vous serez capable de fabriquer vos shampoings, vos leave-in, vos masques, vos huiles de pousse, vos crèmes de soins et même utiliser de la teinture naturelle, c'est aussi au programme. Faire des shampoings solides, faire une grande panoplie de produits. Et si vous êtes donc maintenant capable de les fabriquer, là je saurai que cette formation a été un succès. Deuxième des choses, comprendre. Comprendre le fonctionnement des cheveux. On ne résout pas un problème qu'on ne comprend pas. Avant de pouvoir, c'est un peu comme si vous vouliez répondre à une question sans même l'avoir écoutée. Ça n'a pas de sens. Donc avant de pouvoir dire que vous formulez des produits pour répondre à telle ou telle problématique, il faut d'abord qu'en amont, vous ayez pris le temps de voir quelles sont effectivement les problématiques que rencontrent les cheveux crépus. Et même, très souvent, des clients vont venir vers vous avec quelque chose qu'ils pensent être un problème. Alors qu'en réalité, c'est un état normal de choses. Vous voyez un peu. Donc, si vous ne, si on ne gère pas déjà cette partie-là de la compréhension, il risque d'avoir des problèmes au niveau de la formulation et même de comprendre pourquoi on utilise tout ça. Maintenant, troisième objectif, résoudre. Résoudre les problèmes capillaires les plus récurrents. Parce que forcément, les femmes vont venir, les femmes, et même les hommes vont venir, j'ai telle chose, j'ai telle chose, j'ai telle chose. Savoir comment est-ce qu'on prend en charge ces différentes choses, ce sera un atout. Ça, on va le voir aujourd'hui même d'ailleurs. Quatrième point, connaître. Connaître les mesures de sécurité et les méthodes de conservation des produits fabriqués. Comment est-ce qu'on gère un espace de travail? Que comprend l'espace de travail? Quelles sont les règles même à observer pour avoir un espace de travail optimal? Comment éviter les accidents au niveau de la préparation, au niveau de l'établi? Comment, et maintenant, comment conserver les produits que l'on aura fabriqués? On va voir les conservateurs, tout cela, au cours de la formation. Enfin, mon dernier objectif, c'est de vendre. Comment vendre? Vendre ses produits, développer son réseau de clients. Le développement du réseau de clients va faire en sorte que vous fidélisez, vous ayez déjà une clientèle précise qui achète régulièrement votre produit avant maintenant de l'élargir, de l'agrandir. Au niveau des objectifs, est-ce que nous sommes bonnes? Au programme pour aujourd'hui, ou du moins pour la formation d'abord de manière générale, voilà ce que nous allons voir. Pendant les deux premiers jours, nous allons apprendre sur la physiologie des cheveux, leurs problèmes, leur entretien, c'est-à-dire les problèmes les plus récurrents, l'entretien optimal des cheveux, comment est-ce qu'on maintient un laboratoire, ce que c'est que les intrants, quelles sont les différentes catégories d'intrants, les différentes familles d'intrants. Et vous allez recevoir, je vais vous inclure à l'intérieur du groupe de formation, et vous allez recevoir tous ensemble des manuels. Les manuels, ça veut dire déjà les présentations de cours, parce que je sais qu'on ne peut pas tout noter. Et le but même d'ailleurs, ce n'est pas qu'on note tout, parce que si on est concentré à noter, on n'aura pas l'attention nécessaire. Pour voir. 5 jours, ce n'est pas beaucoup, donc ça va aller vraiment speed. On va vous donner les présentations, y compris pour ceux en ligne. On va également donner les livres.
qui contiennent des formulations, d'autres informations complémentaires, des éléments, des différents intrants, à quoi est-ce qu'ils servent, des huiles et tout cela, pour pouvoir compléter donc maintenant ce programme de formation. Ce sera disponible pour tout le monde en ligne et en salle. À partir du jour 3, on va voir les chambres et les lotions. Jour 4, on va voir les masques, la teinture. Le livre inégalement va entrer dans le jour 4. Il faudra vraiment que nous soyons bien chargés. En réalité, tout cela, ce sont des émulsions. Vous allez voir à partir du troisième jour, du quatrième jour, des émulsions. Et dès lors que l'on est capable de réaliser une émulsion, on est capable d'en réaliser N. Donc, on va vous apprendre à faire tout cela à partir du jour 4. Et au jour 5, donc, on va finir rapidement tout ce qui sera en reste comme pratique. Et on va se concentrer sur le marketing et la vente. Je préfère vraiment qu'on finisse toute la pratique au cours des jours 3 et 4 parce que, de telle sorte que le dernier jour, que la tête soit entièrement orientée vente et non plus uniquement formulation.